Et à un moment, bah là on le voit plus, il a dû se faire réprimander par la sécu. Alors, en faisant ça, nous pouvons maintenant faire sauver la récolte. Alors, une ferme voisine est très très durement touchée par les inondations. Ils auraient besoin de matériaux de construction de base pour les réparations. Nous ne voulons pas nous retrouver à manquer de nourriture. Il faut livrer à la ferme des briques, des planches de bois et des poutres en métal. Et normalement, alors on va mettre activé et on devrait savoir où sont les choses à aller chercher. Normalement. Par exemple, on a un truc qui est ici. Qu'est-ce qu'on a là d'indiqué? Je ne sais pas. Ah, il y a la remorque. C'est-à-dire qu'on devrait prendre une remorque pour prendre tout ça. Bah, notamment, sans doute pour les poutres en métal, on aura besoin de la remorque. Il faudra amener ça à la ferme. Donc, où est-ce qu'on trouve tout ça? Nous avons le bois à aller chercher à la scierie. Nous avons les briques à aller chercher à l'entrepôt, je suppose. Enfin, je crois. Je sais pas, ils mettent pas ce que c'est en fait. Et là, c'est quoi? Il y a une autre remorque à aller chercher ici. Bon, il y a le motel miteux aussi. J'aime bien le nom. Motel miteux. Ah, aussi, il y a l'entrepôt là. Qu'est-ce qu'il faut aller chercher à l'entrepôt? Peut-être des poutres en métal? Il lève la rouge avant. Je l'ai eu grâce à ambulance. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Ambulance UT. Caca de blocage de diff, Nebout et Treuil. Mais ouais, mais attends, j'ai pas les véhicules pour faire ça, j'ai que mon GMC qui est tout simple. Je vais prendre mon Chevrolet sinon. Peut-être qu'avec le Chevrolet, avec une remorque, je peux le faire. Parce qu'à mon avis, c'est la gadoue vers l'entrepôt. On va voir. Parce qu'au début, je suis que niveau 3, donc j'ai accès à quasiment pas grand-chose. J'ai celui-là ou lequel j'ai mis des pneus pour aller dans la boue? Donc ça me semble pas mal. On va voir qu'est-ce qu'on peut prendre comme remorque avec ça. Alors les remorques, elles sont où? L'accès aux remorques, elle doit être là-bas. Avoir ta capacité de chargement. Bah je crois que bah, c'est le début du jeu donc. Ah non mais tout est déjà prêt! Il y a quoi déjà de monter dessus là? Attends, mais je pourrais jamais tirer ça avec. Attends, on va essayer. Le bordel! Pas de remorque adaptée. Ah bah, du coup, bah faut que je reprenne le camion. Mais non, mais ça me fait yesh! Ça me fait yesh, mon gars! Faut que je fasse. Faut que je refasse l'intervert. L'interchangeage, voilà. Faut que j'interchange de véhicule, faut que je reprenne l'autre. Attends, c'est pas là? Mais elle pas allée au garage. Ah, ça, c'est la sortie du garage en plus. C'est dommage qu'ils aient pas fait de menu. Où tu te dis, j'ai accès au garage là. En cliquant simplement, parce qu'à chaque fois, il faut que tu ailles au garage. Et puis j'ai ce camion qui me sert à rien à côté. Il a même pas de. Il a même pas d'essence, il a pas de roue, il a rien. Voilà. Donc, on va prendre la remorque, on va aller direct à la ferme et puis on va voir ce qu'il nous reste à faire après. J'ai pas compris, Chris. Pourquoi, qu'est-ce que vous racontez? Ah oui, alors MK, tu vas jouer à quoi avec ta manette? À part Fall Guys éventuellement. Ah mais déjà, as-tu le PC pour jouer. Atteler la remorque. La remorque est trop loin. Restons calmes. Attends. Ortega Zuna.
Adler remorque, ça y est. Oula! Oh, c'est violent! Tu peux pas laisser sur place? Bah, j'arrive pas justement à faire ça, Blue Corps. Bah, là, on a la puissance nécessaire, on peut aller tout de suite à la ferme. Via la map. Bah, j'ai pas réussi. J'ai réussi au début, mais j'arrive plus. Allez, on est reparti. Alors, est-ce que tu joues encore Blue Corp à ce jeu? Ou est-ce que t'as arrêté un peu? J'ai ce qu'il faut, mais je vais faire ça plutôt demain. Là, je suis à l'appart et c'est pas vraiment pratique pour X raisons. Ouh la vache! Oula, ça va être compliqué, vous avez vu comment j'avance pas? Regardez comment je galère. Mais ça, c'est parce que j'ai pas les pneus. Merde! J'ai même pas de vitesse basse sur ce truc. Ah si, attends, vitesse basse. Peut-être là. Mais c'est ça, en fait, il faudrait que je prenne le Chevrolet pour dégager. Le bordel! Je suis bloqué, chef! Il faudrait un point pour le troll. Appelez la dépanneuse, s'il vous plaît! Ah si, attends, ça passe! Faudrait que j'aille chercher le Chevrolet pour tirer. Alors justement, quand on est bloqué, normalement, on doit pouvoir... Ah mais voilà, attends. Le moteur est cassé. Comment je fais pour le remettre au garage, ce truc-là? C'est ça, en fait, le problème. Je voudrais le remettre au garage, ce truc-là. C'est ça qui m'embête. Fleetstar. Accélérer le temps card global. Et moi j'aimerais accéder au garage. Je sais même pas pourquoi ils m'ont donné ce camion pourri. Ouais c'est ça, faudrait que je tracte avec le Chevrolet. Mais regarde, le Chevrolet n'est pas là-dedans. Et j'ai aucun moyen d'aller au garage. Directement, j'ai pas un... C'est nul quoi. C'est... Je sais pas comment faire. Retour, carte bleue globale, choisir un marqueur... Garage. Ah, voilà, c'est bon. Ah, d'accord, ok. C'est bon. Déployer le Chevrolet. Ok, c'est impeccable. Oui! It's me, Chevrolet! Let's go. On va se mettre deux jours parce que la nuit, c'est un peu nul. Voilà, le matin, 6h du mat, ça y est. Le plaisir. Nvidia 1060. Ah bah je sais pas du tout, je connais pas trop les configs. Ça m'a l'air... Je sais même pas, c'est un peu vieux, non? 8Go de RAM, c'est un peu chaud, quoi. Après, t'as un SSD, c'est pas mal. Les SSD... Avant, j'étais sous HDD. Ça a changé énormément les performances.
C'est carrément comme si tu changeais une carte graphique. J'ai gagné énormément en fluidité. Allez, normalement j'ai les pneus boue et tout, hors piste. Mais non, mais tu nous fais quoi là? Ah, au secours! Qu'est-ce qui m'arrive? Allez, allez, allez! Ah la blague! Et punaise, non mais c'est incroyable, je lui ai mis des bons pneus en plus. Il a des pneus... Bon, c'est des pneus qui sont plus adaptés à la boue que le hors-piste, mais bon. Je suis obligé de m'attacher carrément à ça. Putain, on va pas aller loin. Attends, c'est moi, il avance tout seul, l'autre. Bah pourquoi il s'est bloqué en accélération? J'ai quitté le véhicule, il s'est mis en il continue à accélérer tout seul? Oh non attends, mais me dites pas que je suis embourbé. Mais comment c'est possible? Bah attends, ah oui c'est bon, je mette en... J'ai oublié de mettre le AWD, voilà. Voilà, j'oublie à chaque fois. Attends mon petit, là je vais t'aider. Alors, voilà, allez, on y va. En avant. Ben voilà, tranquille. Allez, go. Je vais graille. Et ben, bon app. Et voilà, regardez la solution. Normalement, ça, tu peux le faire à deux. Hein. C'est plus amusant à deux. Il y en a un qui prend un véhicule, l'autre, il prend un autre. Bon, c'est impeccable. Je pense qu'il va... Ah, bien que c'est beaucoup de boules. Je sais pas si je vais pouvoir... Je pense que je vais le tirer jusqu'au bout. On va voir. Ton code contact. Et en soirée dans GTRP. Redonne-moi ton numéro. Alors c'est le 3944. Comme si... Comme les dates de la guerre là. Attends mais c'est... Oui, c'est là l'objectif normalement, non? Ouais, c'est là. Enfin, je crois. Non, livrer à la ferme, c'est pas la même? Ah si, faut aller au bout. On va pouvoir tester les pneus dans la boue. Ça va être bien. Parce que c'est les pneus spéciaux boue. Et normalement, on se débrouille bien dans la boue. Ou alors, j'ai fait la pire connerie d'aller dans la boue. Mais attends, mais c'est où je dois livrer cette merdasse? Pourtant, j'y suis. Gestion cargaison. Ah voilà, c'est bon. Ah, impeccable. Donc, je peux me barrer. Ah mais attends, je suis totalement embourbé maintenant. Le plaisir. Bon, la galère, Euromaxime, le plaisir de la galère.
Bon, faut qu'on se réattache. Et faut qu'on sorte. Oh non, ne me dites pas qu'on est bloqué, bloqué. Je vais essayer de tirer par derrière, peut-être. Nouvelle mission découverte, une livraison de nourriture. Parce que moi, j'arrive tranquille, là. Ça passe. Alors, je vais essayer, peut-être, en tirant vers l'arrière. Voyons voir. Ouais, je tire par derrière. Allez, c'est on y va. Attends. Mais non, mais... On regarde le point d'attache du Troy, s'il est mal mis, c'est pire. Alors on va essayer de bien se mettre. De toute façon, je vois pas l'autre solution. On va pas, si on peut pas aller tout droit, parce qu'on s'embourbe encore plus. Bon, après, je suis peut-être un peu trop loin avec la cargaison de me foutre dans la boue comme ça. Alors là... On peut pas l'accrocher ailleurs, peut-être. Mais ce qui était bien, c'est qu'avec la... Je crois qu'avec la souris, tu pouvais savoir où tu... les points d'attache. Ou c'est peut-être en vue comme ça que tu pouvais savoir. Je sais plus. Normalement, tu peux... Tu peux choisir les points, mais je sais plus comment... Ah, fonction attachée. Attends. Fonction attachée. Ah, bien joué. Ok, donc c'est fonction qu'il faut prendre. Bah, il n'y a que deux points, donc on va prendre là. Merci, Blue Corp. Allez, on essaye. Oh la vache, je crois que c'est mort. Mais il faudrait qu'il recule en même temps, l'autre. Si j'enlève les roues autonomes, là, peut-être que j'aurai plus de puissance. Ah bah, c'est mort. Trop léger. Ah bah, si, étonnant, la solution, sinon, c'est de détacher la remorque. Tu peux pas t'attacher avec le treuil sur le pilote. Non, on peut le faire que d'un côté. Non, mais je crois qu'il faut détacher la remorque. On détache la remorque, on sort la remorque, on détache le camion, on sort le camion, et voilà. Tu vois le jeu, quoi. C'est ça, le jeu. Il faut pas faire de conneries. Donc, on va détacher la remorque, tout simplement. Oh, punaise! Donc, on détache la remorque. Attends, déjà, il veut charger la remorque. Non, non, mais attends, enlève-moi sa remorque. Détacher la remorque. Voilà. Bon, déjà, est-ce que je peux le sortir sans la remorque? Bah, je peux pas sortir sans la remorque, déjà, ça c'est réglé. Donc, on va virer la remorque avec ça. Allez, on y va. Ah oui, non, mais attends, mais j'arrive même pas, quoi. Mais attends, c'est mal attaché aussi. Accroché. Donc, il faut le point arrière, là. Voilà. On y va. Ça y est, ça bouge. Et ça bouge, mais je fais du surplace. Allez. Mais on va y arriver. Et d'ailleurs, l'énorme souci dans le jeu, c'est que quand tu salopes le terrain comme ça,
Le terrain reste comme ça. Avec les sillons que tu creuses, tu t'hypothèques des chances de réussir les prochaines missions. Ah merde, mais non! Ouais, bon, tant pis, allez hop, tant pis pour la remorque, allez, c'est bon là. Je la laisse là, j'en ai marre. Alors, le camion. Après, bon, c'est normal, c'est un camion d'autoroute. T'es pas censé le foutre dans la boue, hein. Après, c'est les premières missions du jeu, j'ai pas le choix, quoi. J'ai pas d'argent et tout. À moins que je puisse livrer des poutres de métal avec ça, mais je suis pas sûr. Bah non, de toute façon je peux pas vu la grosseur du truc. Oh non, moi je crois que je me suis embourbé. On va voir. On va faire autrement. Je vais prendre par l'avant. Ah oui, mais non, mais maintenant je peux plus bouger non plus. Mais attends, mais j'ai des pneus boue. Mais j'ai des pneus pour la boue normalement. Oh putain. Attends, je peux m'accrocher où? On va essayer de se libérer avec la branche là. Au secours! Ah, c'est bon! Ouf! Heureusement qu'il y avait le tronc qui traînait par là. L'enfer! Oh non, je me suis pété le moteur! Attends. Non, c'est bon. Ouais, on prend l'avant. Hop. C'est quoi cette musique? Changeons la musique. Ah, il y a de l'orage. Et attends, il y a mon Discord qui s'excite là. Je vais le fermer. C'est quoi qui fait tous ces bips là? Rendre le salon muet. Je sais pas chez qui ça fait des... Voilà. T'es pas ton Discord chez Kenny. Ah ouais, non, mais j'ai mis mettre silencieux, c'est bon. D'habitude, je mets silencieux. Allez, on y va. Mais non, mais c'est incroyable. Ah, c'est bon. Ça vient. Attends, comment... Faut que j'arrive à tourner, là. Est-ce qu'on peut sortir de la ferme par là-bas? Par le champ, là. Mais attends, mais ça continue, mais j'ai mis en silencieux! Je comprends pas. Je vais le fermer, sinon. Allez, par là. Bon bah désolé pour la ferme, hein. Il y a plus de plantation. Y a pas une sortie là? Merde. Attends, mais c'est quoi cette musique de l'enfer? Théoriquement, il y a une sortie là. Par là. On va mettre un point de passage. Là, normalement, on a un petit point. Ah, mon treuil est sur le côté, merde.
Ah ouais, merde. Bien vu. Accrocher le treuil. Là. Sélectionner le point de treuil. Ah merde, faut que je sois plus en avant. De toute façon, là, je pense qu'il peut s'en sortir, le... On va voir. Je pense que le camion peut s'en sortir. Alors. La sortie. On va passer par là. Ouh là là. Oh. On a réussi. Oui! Retour sur la route. On a réussi. Bon, on a perdu la remorque par contre. Je vais essayer d'aller chercher la remorque. Par contre, j'écrase tout le maïs, il n'y a plus rien. La remorque, elle est là-bas. Oh merde. Ah, mais il me faut quoi? Des briques? Non, faut aller chercher des briques aussi. Et hop, on va prendre la remorque. Accrocher le treuil. Tac. Bah, il veut pas. Bah, tiens, on va essayer comme ça. Non, c'est nul. En fait, moi, je vais mettre 250 heures pour faire les trois premiers contrats. Moi, je vais faire du GTA. Je vais juste remettre la remorque dans le chemin et puis c'est bon. Voilà. C'est du GG. Enfin, on n'a pas fini la mission, mais bon. Il n'y a pas de tutoriel. Si, au début, ouais. Après, je pense que le jeu au début est compliqué parce que avec le niveau que t'as, tu peux pas changer les pneus. Par exemple, le camion qu'on a là, je peux pas changer les pneus, c'est niveau 7 et je suis que niveau 3. Donc forcément, je galère pour aller à la ferme. Voilà. Là, je vais voir peut-être que je peux charger des briques là-dedans. On va aller voir vite fait. Parce que si je peux charger... Ah, mais c'est loin! Faut aller là-bas chercher des briques. Bah, je pense qu'on le fera demain. Parce que sinon, on va passer je sais pas combien de temps sur Snow et on devait faire un peu de GTA. Donc, on va sauvegarder. Bah, je pense que ça save tout seul. Souhaitez-vous revenir? Oui. Tu comprends les heures passées? Non, mais ouais, le pire, c'est que tu dois... passer des heures pour des petits détails comme ça. Ah, il y a des modes? C'est quoi le navigateur de mode, là? Ah, saisissez votre courriel. Il y a peut-être des modes spéciaux.
C'est très bien. Bon, on va passer sous, on va switch. Paf, j'éteins la musique mu. Mais je pense que quand t'as des bons véhicules, ça doit être mieux. Enfin, ça doit être plus facile que là. Quand t'as les bons pneus, quand t'as les véhicules puissants, je pense que tu dois moins galérer. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone, il n'arrête pas de faire des bips aussi. J'ai Discord, j'ai des bips. Alors, nous allons lancer GTA V. Tut tut. Hop, on va passer en grand en attendant. Là, le rire de Maxime. Un peu d'Zikmu. Et puis Go GTA. Il y a des modes pour des camions et des 4x4 supplémentaires. C'est dommage qu'il n'y ait pas le Steam Workshop, parce que le Steam Workshop, t'as plein de nouveaux trucs, comme sur Euro Truck Simulator. Et c'est plutôt libre. Exemple de Euro Truck, ils ont mis les vraies marques dans le jeu. Alors, GTA V, ils font quoi? Démarrage. Bah, c'est en train de scanner les fichiers. Bon, on va peut-être boire un coup en attendant. Ah, bah attends, j'ai même plus d'eau. Ah oui, non, c'est vrai, j'ai renversé ma bouteille d'eau. Alors, GTA V. C'est en lancement. On va mettre à jour le titre du stream. Dans quelques instants. Parce que je sais pas ce qu'on va faire sur GTA. Qu'est-ce qu'on va faire sur GTA V? Salut Breaking Game. Hey, mais Breaking Game! Nous avons Sylar Rock présent. Ah, il y a Maxime qui connaît Sylar Rock. Ça veut dire quelque chose. Ah, je voulais voir si t'allais reconnaître. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui arrive et. Qui arrive en plus à la fin de SnowRunner. Allez, je coupe un peu le Travis Scott. Je vais vous mettre la fenêtre de GTA. Petite fenêtre de GTA 5. Alors, GTA 5. Et voilà, magnifique. Le bon vieux GTA présent ici même. Et on va mettre à jour le titre du stream. Je sais pas trop quoi mettre. Qu'est-ce qu'on va mettre comme titre? On va mettre... Rassure-moi, tu vas regarder le match. Bah, je regarde plus trop les matchs du PSG. J'ai regardé les matchs du PSG l'année dernière. Mais cette année, j'avoue, je regarde pas... Je regarde pas beaucoup. Voire, je regarde pas du tout. En fait, ce qui m'embête, c'est que en général, ça dure jusqu'à 22h et il faut que je sois au boulot à 5h, donc je dors pas si je regarde le... Si je regarde le match, je dors pas en fait. Je vais me coucher à 23h, je vais me lever à 4h pour arriver à 5h et voilà. C'est tout le problème du boulot comme ça, en décalé.
Enigme marquée en ligne sur l'image du jeu. Oui, tout à fait, ouais. Ah bah on va voir, parce que je sais pas si j'ai accès à toutes les fonctionnalités. Ah mais si, t'as le GTRP x2. Voyons voir, chargement du mode en ligne. Je me sens célébrité. Regarde, Maxime, j'ai de la bonne bouffe, là. Ça me tente trop, j'aurais pas dû en acheter. En plus, c'était une promo. Allez, Pringles, ouais. C'était une promo moins 68%. 6 euros les 6 Pringles. Non, je me suis dit, mais non, mais je peux pas. Je ne peux pas ne pas craquer. Mais c'est quoi ça? J'accepte la charte, les clauses. Mais oui, les Pringles oignons, mais oui. Bien sûr. Vous devez accéder à l'éditeur de personnages avant d'accéder... T'as vu, c'est ce que je te disais, Victor, on peut pas accéder tout de suite. Il faut avant avancer dans l'histoire, parce que là, j'ai même pas l'éditeur de personnages. Ou alors, faut que je crée mon personnage avant. Du coup, je ne peux pas jouer... Je peux pas encore y jouer. Mais c'est quoi, ça? What the fuck, ça me lance quoi, là? Ah, attends, c'est peut-être pour faire mon perso. Mais oui! T'as déjà fait l'histoire complète de GTA ou pas du tout? Non, en fait, j'ai jamais fini le jeu. Modifiez votre personnage. Eh, remarque, quand j'étais... qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'étais en Suisse et que j'ai mes problèmes de condamnation... Avec les flics, j'ai fait ce truc-là. J'étais avec ma carte. Fais un sourire. Non, je sais même pas s'il a fait faire un sourire. T'étais avec ta carte comme ça. Et le mec, il m'a pris en photo et tout. Je tenais ma carte. Mais j'avais pas de frise comme ça. Le mec de la police, il m'a demandé les signes distinctifs. Alors, il notait. Signe distinctif du monsieur. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre? Alors, c'est un homme. Je l'ai fini sur 360. Ah ouais, bah écoute. Dans ma salle de prison. Oh, tant Samuel. T'as fait quoi? Non, mais c'est la vieille histoire où je m'étais fait condamner pour importation d'armes interdites. Alors, j'adore ce visage un petit peu en boule là. Le visage bouffi. Le beau visage bouffi. Par contre, c'est censé être un homme, non? On dirait une femme. Mais. Plus je mets ressemblance à la mère, moins j'ai le visage gros, graisseux. Par contre, j'ai un gros nez. Et quand je prends le père, je deviens gras et j'ai mon nez plus fin. J'aime bien par contre à la couleur de peau. je sais pas. J'aime pas blanc, moi. Blanc, blanc, blanc. J'aime bien l'entre-deux, moi. On va mettre... Voilà, comme ça. Ah, c'est bien, ça. On peut tourner à tourne ta tête, là. Tourne ta tête un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Ok. Retourner au menu. Les traits du visage. Alors, on peut régler le bas du front. Protubérant. Plat. Les yeux. Oh, regarde. Les yeux plissés. Mais ça manque de musique, attendez. Musique. Je vais remettre la musique de tout à l'heure. Voilà. Les yeux plissés. Le nez. Un petit nez. Attends, c'est... Non, c'est trop dynamique, ça va pas.
Arrête du nez, ouais, c'est comme ça. Le bout du nez. Ah, le bout du nez un petit peu cassé, hein, le nez qui part à gauche. Les pommettes. Ouais, les joues. Les lèvres. Les lèvres minces. Ouais, pourquoi pas. La mâchoire. Carrée. Ronde. Profil du menton. Mais il est génial ce perso. Regarde forme du menton comme ça. Un petit menton pointu, petit menton standard. Voilà. L'apparence. La coiffure. Non, c'est, il n'a pas une tête à cheveux, je trouve. Il n'a pas une tête de chauve non plus. Ah, je vais mettre comme ça. Il inspire confiance. Hey, confiance. Eh, j'aime bien les sourcils négligés. Non, j'ai refait Joule. J'ai refait Joule. Bon, on va mettre du Joule alors. Ça nous met quoi en Joule? Mode Akimbo. Mais il a le style. Mais il a pas une tête à barbe non plus, je trouve. Regarde, ça lui va pas la barbe. Il a pas une tête à barbe. Ah, comme ça peut-être. Bah, dit que normalement, quand tu auras fini, tu verras des amis qui jouent ou jeux soit en ligne, soit en hors ligne. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de strike avec Twitch pour les musiques, du coup. Sur les renifs, c'est coupé. Mais après, je pense que c'est les gros streamers qui peuvent avoir des problèmes. Mais moi, j'en ai jamais eu. Comme ça, problème de peau. Bah, non. Signe de vieillissement, j'aime bien. C'est, alors, quels sont les premiers signes de vieillissement? Âge moyen. Ride du front. Déprimé. Distingué. Âgé. Buriné. Ah ouais, là, il y a un côté Renault. A plus, bonjour. Bah, salut, Blue Corp. Et à bientôt sur le stream. Pour de nouvelles aventures. Après, tu peux réduire le son lasique pour éviter de faire strike. Je vais le mettre buriné. Junkie. Comme ça. Le teint. Tache cutanée, non. Aspect de la peau. Irrégulier. Couleur des yeux. Le maquillage des yeux. Oh, il y a le... c'est Michou. Regarde, ça devient Michou. C'est Cyberpunk. Cyberpunk. Il y a les yeux ténébreux. Tristesse. Tiens, on va le mettre comme ça. Hey, tu fais énorme. Dire que j'ai jamais lancé GTA Online alors que j'ai fini le solo 6 fois. 6 fois, j'ai fini 0 fois. Et ça fait un peu de Joker. On part en mode Suicide Squad. Les cheveux verts et c'est bon, on a le Joker. Moi, je te le dis. Je te le dis. Regarde. Comme ça. C'est, mais c'est où la couleur des cheveux? On n'a pas la... Pourquoi on n'a pas la couleur des cheveux? Couleur des yeux.
Pourquoi on n'a pas la... Ah si, attends, couleur. Là. Ah, voilà. Ah, mais il n'y a pas de vert. On n'a pas... Il n'y a pas de vert. Oh, c'était triste, ça. Bah, faut lui trouver un truc déjanté. On dirait qu'il va vomir, là. Alors, il n'y a rien qui m'inspire du tout. Bah, je vais le remettre comme au début. Non, mais je vais l'enlever son goût, tant pis. Vu qu'on peut pas mettre les cheveux autrement, on va lui enlever son rouge à lèvres, là. Voilà, et puis son maquillage des yeux. Et ça va être ok. Bien que ça pourrait donner un style un peu funk. Funk. La funk, tu connais? La funk. Voilà, regarde comme ça. Et peut-être là, tu mets des cheveux noirs. Ça commence à être un peu diablotin. Regarde là. On dirait un fan de métal qui veut pas vieillir. Voilà, vêtements. Alors le style. Funky Family. On va voir si je tape Funky Family, c'est quoi le premier titre qu'il me propose Amazon. Funky Family. Attention. Bah, art de rue, bien sûr. Ouais, c'est clair, Breaking Game. Là, je sais pas comment le... Le corps, par contre, il va pas. Il devrait être plus large, son corps, par rapport à la tête. J'ai bien envie de... Soit je le mets en costard, soit je le mets comme ça. Ah, comme ça. Ah, est-ce qu'il a une tête à chapeau? J'ai pas l'impression. La belle Jerry Storm. Il a pas une... Ah, tu peux mettre un casque. Ah, ça lui va pas du tout, les chapeaux. Regarde les lunettes. Faudra des lunettes. Je vais là où la vie mène. Ah, sont moches les lunettes. Il va l'appeler Hooper. Je sais pas ce qu'on peut mettre comme pseudo. Alors déjà, je vais lui mettre absolument des lunettes. Des lunettes vertes. Non, attends, ça fait un peu Matrix.
tes baisers, fallait que je brûle mes illusions. Fallait bien que je crie aussi, c'est ça le drame. On t'écoute quand tu fais du bruit, que tu casses ou que tu pointes une arme. La mienne est Mike, tu filmes la vie. Ou JDG. La nuit non-stop, fallait que je décompresse, non de code donne. Joe, fallait que je le dise, oh, fallait que je vise. On avait allumé un feu, fallait que je l'attise. Fallait que j'ai un but, fallait que je fasse mon truc, y'a pas de magie. Même si ça, pourquoi pas. Qu'il s'agit. Il fallait pas que je sois trop feignant, car je ne suis pas né dans la soie. Fallait que j'y croie pas. Big Daddy. Big Fatty. Fallait que je revienne les mêmes plaines. Fallait que je le marque, fallait qu'on vienne et qu'on démontre à n'importe quel endroit. Le gros Mac. Peu importe quand, peut-être ce soir. Fallait qu'on garde espoir. C'est pas mal le gros Mac. Pas dire tout ce qui pouvait plaire. Fallait que je défende mon amour. Je vais l'appeler. Ma famille, mes amis, jusqu'à la mort, mon amour. Il le fallait. Et tant mieux s'il le fallait bien. Je reste anxieux, ne croyez pas que pour moi tout à. Je vais l'appeler. Attends, on peut tourner la tête, tiens. Tourne la tête. Alors c'est quoi? C'est tout, on a fini là? Oh, regarde la tête qu'il a, mais il est magnifique franchement. Mais regarde ce style, mais non, bravo. Il est trop beau le personnage, regarde-le. Franchement. Tu vois, on dirait... On nique en son genre. Regarde-le, mais il a trop la classe. Il a trop la classe. Je sauvegarde. Le nom du personnage. On va l'appeler... Ah oui, attends, faut un nom... Je sais pas si c'est un nom qui serait utilisé si tu fais du GTA RP. Donc faudra mettre un nom... On va l'appeler un nom normal, quoi. Julien. Ah non, c'est en un... Julien Chiez. C'est Julien Chiez. On va l'appeler... Julien Chiez. On peut même pas mettre d'espace, de toute façon. Julien Chiez. On va l'appeler Sai. Non, qu'est-ce qu'il a comme... on va dire qu'il a 40 ans. Il pourrait s'appeler Michel. Michel... Là, je cherche un pseudo. Je sais pas si c'est... Ou alors je le mets énigmatique, tout simplement. Je me pose la question. Je l'appelle Ça y va bien. Ça y va bien. Ça y va tic. On l'appelle Saï. Saï. Tonis. Oui, Tonis. C'est ça, on va l'appeler Tonis. Ah ouais, Vito, faut l'appeler. Vito. On va l'appeler Vito. Alors, allons-y. Ah non, je sais, on va l'appeler Léon. Léon, le nettoyeur. Ah merde, ça passe pas. Inspecteur, tu l'appelles inspecteur. Léon. Ah merde, ça passe pas non plus. Inspecteur Léo. Mais c'est peut-être le destin, Léo. Inspecteur Léo. Non, c'est dégueulasse. Il s'appelait Claude. Ah oui, Claude. Claude. Jean-Claude. On va l'appeler Jean-Claude. Jean-Claude. Par contre, j'ai plus de batterie sur mon tel, c'est la Zermi, les amis.
C'est la Zermi. J'ai rien en plus pour charger. Comment je vais faire? Ah si. Vito Negan. Ah non. Oh. J'ai renversé de l'eau, je pensais avoir essuyé. On va l'appeler Sébastien. Et non, mais Sébastien. Ou alors faudrait lui trouver un nom qui n'existe plus. Vito Negan. Jean-Claude Duss. Ah oui! Jean-Claude. Jean-Claude. Voilà Jean-Claude. Ça marche ou pas Jean-Claude? Génial, yeah! Jean-Claude. Mais pourquoi tu souris comme ça? Regardez comment il sourit, c'est horrible. T'as vu comment il sourit? Souris, cheese, cheese. Ah mais ça a pas du tout la photo là. Voulez-vous passer l'introduction? Non, parce que je connais pas du tout. Enfin, j'y ai joué un petit peu à GTA Online, et mais en plus, ça a dû changer depuis. Le Glaude! Je crois que je vais succomber au Pringles, c'est bien triste. Ah! Au secours! La tentation est sous mes... et dans mes mains! Participez à des activités avec vos amis, des membres de votre crew ou d'autres joueurs et surveillez votre position dans les classements mondiaux du jeu ou du Social Club. Bienvenue sur BreakingGame.fr pour la découverte de GTA Online. Vous pouvez défier d'autres joueurs dans des activités de votre création ou parier sur les vainqueurs pour gagner de l'argent. Voir du Pringles. Grand Theft Auto Online, une expérience unique en son genre, est disponible sur internet depuis plus de 10 ans. Pour garer votre collection de voitures et de motos, achetez des garages indiqués, défiez les autres joueurs au tennis, au golf et à de nombreux autres passe-temps. Oh, regardez-le, Jean-Claude! Jean-Claude arrive. En progressant le jeu, vous gagnerez des points de réputation. Participez à des activités et tuez vos ennemis pour en gagner. Il te fait ton intro. Gagner l'option vous permet également de passer au rang supérieur et de débloquer des nouvelles armes. Vieux Lascar, comment ça va? C'est moi, c'est Jean-Claude! That's what I'm talking about. Come here, holler at your boy. Man, it's good to finally meet you, man. After all that time on Life Invaders, man, we're friends in real life now, huh? Look at you, dude. You, like, smaller than you look in your picture, but... Là, je suis tout petit, ouais. Oh, fuck it, it don't matter. Hey, I heard you wasn't a big talker, right? I said, you just probably need to get settled in. Got that jet lag, you know? So I got a little gift for you. Welcome to Los Santos. Untraceable. You gotta love that. Who your partner is, pimp? Who your partner is? Man, dog, I'm glad you here, man. It's all kinds of opportunities in Los Santos. I mean, that's if you got the nuts to pull them off. And don't even trip, man. Your boy know people all over the city. Like the boy Hal, he is like hands down the best mechanic in town. Or the other boy Simeon, man, he's literally the best bullshit artist in town. Or we can go fuck with the homie G, or any of the homies from family for that matter. You're straight. Ils ont fait toute une introduction. Il me semblait pas qu'il y avait ça à l'époque, enfin il y a très longtemps quand j'ai essayé. You with the business, we can make us a little way. Il y avait pas d'accueil comme ça, je crois. Shit.
should I do? Should I hang with the bankers? Should I hang with the I'm thinking fuck school, mom's banging at the door, letting me know my black ass best is the flow. Here we go again. Là, c'est bien après qu'ils ont fait un tuto. Je confirme.